L'École nationale d'ingénieurs ENI met désormais à la disposition du Mali 414 ingénieurs aptes à faire face aux défis du pays. L'actualité l'oblige, la sortie de ces diplômés a été axée autour du thème « Impact des ingénieurs dans la refondation d'un Mali nouveau ». Des jeunes diplômés frais et moulus de cette honorable institution vont rejoindre nos rangs pour nous conforter dans nos choix et parfois bousculer nos certitudes. Ils sont les bienvenus dans un métier qui rime avec rigueur, exactitude et engagement pour le développement. Ces ingénieurs, à travers leur efficacité, ont donc l'obligation de servir le Mali, leur pays, soutient Seydou Mamadou Koulibaly, parrain de la promotion. De quelques photos que vous regardiez, les défis auxquels est confronté notre pays, vous voyez l'immensité des tâches attendues de vous, le besoin urgent de votre efficacité, la soif de votre efficience pour être à la hauteur des attentes nombreuses et légitimes de nos concitoyens. Réponse du berger à la bergère, les diplômés à travers leur présidente avouent qu'ils sont suffisamment prêts pour relever les défis. Aujourd'hui, votre labeur met à la disposition du Mali, voire à la disposition de l'Afrique et du monde, plus de 400 diplômés aptes à propulser vers l'avant plusieurs secteurs de développement. Pour dire que oui et oui, les ingénieurs ont un impact dans la refondation du Mali nouveau et encore plus fort l'édifice d'un monde innovateur qui répond aux attentes de l'avenir. Ce fut également un lieu pour les représentants du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de saluer l'effort des enseignants de la dite école pour la qualité de la formation transmise. Je voudrais donc rendre hommage à tous ceux qui ont eu à servir l'École nationale d'ingénieurs, à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'essor de cette prestigieuse école qui a toujours eu une dimension africaine et même internationale. La rigueur dans le travail et la ponctualité sont entre autres valeurs suggérées aux diplômés par le parrain Seydou Mamadou Koulibaly.